Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, on se retrouve pour l'actualité GTA Online du jeudi, bien évidemment. Alors, à ce que j'ai remarqué, c'est une semaine un peu motard. Donc, alors, je vais vous montrer tout de suite les véhicules en promotion, ça sert à rien de chercher. Midi 14h, je les ai repérés, etc. Donc, on a en premier lieu, on a deux motos super puissantes. Donc, la Shizu Hakushu Drag à 600 000 et 900 000, une des plus puissantes, et la Nagasaki Shotaro. 1,3 million au lieu de 2,2 millions. Alors, entre les deux, je ne sais pas qui est la plus puissante, mais je peux vous proposer un test pour savoir laquelle des deux est plus puissante. Alors, en ce qui concerne la Shotaro, une personne m'a demandé l'autre jour comment on fait pour avoir une moto et tout dans les gendarmes motosport. Alors, je me suis posé la question, je lui ai demandé laquelle, il m'a pas répondu. Et en fait, après réflexion et aujourd'hui, hein, comme par hasard, je me suis dit, mais en fait, c'est celle-là. Car celle-là, tout simplement, elle se débloque. Si vous faites l'activité qui va avec, c'est-à-dire, je crois, retour à la ligne. Mais peut-être que ça sera marqué sur le site de Rockstar Mag, hein, très clairement pour la débloquer, car des personnes ne l'ont toujours pas débloquée. Je me rappelle que pour la débloquer, il fallait faire un mode, sinon on la débloquait pas et on pouvait pas l'acheter. Donc, je crois que c'est retour à la ligne, mais je vérifierai mes informations tout à l'heure. Mais ça doit être ça. Donc on a deux motos donc ici et on a aussi deux motos dans Sud 61 de San Andreas qui fait quatre motos. On a bien évidemment la Pegasi Vortex à 250 000 ou 350 000. Donc si vous avez l'atelier en plus le QG Motard, donc dans le QG Motard vous avez l'atelier Motard, eh bien elle se customise vraiment très très bien. Vous pouvez changer le pare-boue, vous pouvez changer le réservoir, la selle, le phare. Là en dessous, vous pouvez changer ça. Vous pouvez... Franchement, c'est un truc de fou. La customiser, mais vraiment bien poussée comme Benny. C'est un custom poussé, donc franchement, très très bien. Et également, on a dans ce site, on a également la bâtie normalement, la simple bâtie, hein, voilà, 801 à 10 500. Donc, bon, je vois pas l'intérêt. Hein. Qui peut pas payer 15 000? Qui peut pas payer 15 000? Voilà. Franchement. Même si vous commencez en demi-mission, on s'est fait. Mais bon. Ensuite, on a une moto dans l'arène. Donc, qui est aussi dans Sud San Andreas. Hein, mais là, comme ça, vous voyez directement. Donc, 120 000, 84 000. Hein, et tarif spécial, 90 000, 63 000. Donc, si vous avez débloqué le tarif spécial, que vous pouvez payer 63 000, tant mieux. Mais même si vous le prenez en achat immédiat, c'est quand même en dessous du tarif spécial de base. 84 000, 90 000. Donc, sautez sur l'occasion. Et on a trois customs différentes hein, de cette moto, vous voyez bien. Donc en plus, soit vous la laissez telle qu'elle est, et la customisez comme ça, ou soit vous la transformez à l'arène. Vous n'êtes pas obligé de la transformer. Donc ce qui fait une moto en plus ici, donc ce qui fait 5 motos, plus la MK2. La MK2 qui revient en promotion encore à 2 millions, au lieu de 2 925 000. Donc franchement, sautez dessus, c'est une moto volante, hein, entre guillemets, on peut dire que c'est un avion mini. Hein, moi, on dit moto volante, mais c'est plus un avion mini. Car simplement pour les réapprovisionnements, pour les missions, etc. Bon, après, je sais qu'il y en a plein qui pètent les gens avec cette moto. Moi, perso, c'est pas mon délire. Mais au moins, vous aurez une moto volante à moindre coût. Donc, eh bien, maintenant, on va passer sur le site de Rockstar Games. Ou Rockstar Mag, je crois que c'est Rockstar Mag. Donc, Rockstar Mag, ils font un excellent travail pour la traduction. Hein, franchement, super. Donc, quand ils sortent, eh bien, je préfère aller sur Rockstar Mag pour tout simplement. Comme ça, c'est mieux traduit que Google Traduction. Donc allez, on se rend tout de suite sur le site de Rockstar Mag concernant cette actualité du jeu GTA Online. Et oui, on se rend sur le site de Rockstar Mag pour plus d'informations concernant cette semaine d'actualité GTA Online. Donc c'est une semaine biker. Donc du 14 au 20 mars, c'est une semaine spéciale biker avec des promotions, double argent, double RP, etc. Donc on va regarder la petite vidéo. Donc qu'est-ce qu'on peut y trouver? Donc déjà, x2, donc dans les ventes de motards. Donc ensuite, le retour à la ligne, mode qu'il faut faire pour débloquer la Shotaro. Double argent dessus, double RP. 30% sur la oppression MK2. 50% donc dans le club de motards, les rénovations. Ok. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que tout simplement, le retour à la ligne donne deux fois plus d'argent, deux fois plus d'RP. Déjà, et c'est comme ça qu'on débloque la Shotaro. Ensuite, donc jusqu'au 20 mars, en plus des récompenses doublées sur votre lieu de production.
Donc tout ce qui est cocaïne, méthamphétamine, fausse monnaie, etc., sont deux fois GTA dollars. C'est-à-dire, il veut dire, si vous vendez 300 000, vous avez 600 000, donc fois 2 en argent. Ensuite, également, qu'est-ce qu'on peut y trouver également? Les missions défi club de motards, pareil, double argent, double RP. Et aussi, quand vous défiez un club de motards, pareil, double argent, double RP. Donc, vous débloquez un t-shirt. Comment il s'appelle? Monochrome, logo, steel horse, négatif et western noir. Alors, moi perso, je les ai reçus. Donc, cette semaine. Alors là, on voit les promotions. Moins 50% sur les QG de motards. Moins 50% sur les rénovations de QG de motards. Moins 50% sur l'atelier de customisation du QG motard. 50% sur le lieu de production de motards. 30% MK2. 30% Accoutrouddrag, Pegassi Vortex, Pegassi Batty 801 et la Nagazaki Shotaro. Donc, eh bien, c'est voilà. C'est dit ici, disponible à l'achat à l'issue d'une manche de retour à la ligne. Ça veut dire que les personnes qui n'ont toujours pas fait le retour à la ligne ne peuvent pas acheter cette moto. Donc, je tiens à le souligner, à le redire. Faites le mode retour à la ligne et vous pourrez vous acheter la Shotaro. Bien évidemment. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à suivre mon compte Twitter, ma page Facebook, avoir des informations, etc. Quand il y a des problèmes de notification YouTube, eh bien, au moins, vous êtes au courant des prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne. Donc là, très clairement, je suis avec une moto. Vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi cette moto et tu l'as eu où? Alors, très simplement, c'est la moto en promotion que j'ai customisée grâce au QG Motard, donc la Pegassi Vortex 252 000. Vous avez vu, elle est vraiment stylée avec le phare alien, etc. Donc j'ai changé la couleur grâce à l'atelier d'arène. Donc franchement, une très très bonne moto, etc. Une très belle moto, on peut pas monter à deux, mais au moins une très belle moto. Donc pareil pour retour à la ligne, faites-le si vous n'avez pas fait pour avoir la Shotaro. Bien évidemment, la tenue, je l'ai pas fait exprès, hein, je vous le dis clairement, je ne sais même pas comment j'ai réussi à avoir cette tenue. J'ai buggé dans Retour à la ligne il y a très longtemps quand c'est sorti et je me suis retrouvé avec une tenue comme ça donc je l'ai sauvegardé. Donc vraiment très très cool, donc ne dites pas moderne, de toute façon je sais ce que je vaux. Donc ce soir n'oubliez pas aussi le live, hein, très clairement le live qui veut gratter 1 million sur la chaîne minimum. Donc ce soir en live à partir de 21 h sur PlayStation 4 exclusif, hein, malheureusement je n'ai pas d'Xbox. Donc tout simplement grâce à ça, je prends votre pseudo PSN et tout simplement vous mettez en gros, vous le mettez dans le chat, je vous prends et je vous invite dans le braquage Bogdan 1 million. Et si il y a du monde, ça peut durer très longtemps, toute la soirée. S'il n'y a pas beaucoup de monde, bah tant pis. La semaine dernière il n'y avait personne malheureusement, donc eh bien pas de million. Donc j'ai attendu une demi-heure, j'ai vu qu'il n'y avait personne. Après je sais qu'il y a eu des problèmes au niveau des notifications YouTube. Donc après bah, c'est pour ça que je vous dis de vous abonner à mon compte Twitter et à ma page Facebook pour être notifié tout simplement. Aussi, donc pour ceux qui veulent 1 million, ok. Pour ceux qui veulent plus, eh bien dans ces cas-là, il faut tout simplement faire un petit don. Tout simplement, si tu veux plus d'argent, eh bien tu fais un petit don comme ça. Eh bien, il y a une certaine, comment dirais-je, une certaine égalité pour ceux qui ne payent pas, qui ne font pas de don. Ils ont tous 1 million. Pour ceux qui font des dons, eh bien ils peuvent avoir 2 millions. Tout au plus 3 grand maximum si c'est vraiment un énorme don. Mais si c'est un petit don, 2 millions, pas plus. Après, s'il y a plein de personnes qui font des dons, dans ces cas-là, il faut que je fasse des tirages au sort dans les dons. Et en fait, vous avez plus de chances de passer. C'est tout simple, c'est plus de chances de passer. Donc voilà quoi. Donc pour moi, c'est du temps. Ne pas oublier que le braquage, des fois, je l'ai perdu. Donc j'ai dû recommencer, repayer, etc. Donc c'est du temps de perdu également. Donc. YouTube, tout le monde me dit tu gagnes de l'argent? Non, je ne gagne pas d'argent du tout, je suis très petit. 220 abonnés, je vous remercie encore car je suis très petit. Et à ce stade-là, on ne gagne rien, tout simplement zéro. Même si j'ai fait une vidéo à 33 000 vues, j'ai fait 0 euros. Donc je ne gagne absolument rien sur toutes mes vidéos, sur tout mon travail qui me prend des plombes. Je suis en train de vous préparer là le The Witcher, il est prêt pour vendredi. Le Assassin's Creed, il est déjà fini pour mercredi prochain. Spider-Man, il est déjà prêt également. Donc, ça prend du temps. Donc, j'adore faire YouTube. J'adore être YouTuber. Et j'espère
percer là-dedans et ça serait franchement énorme et ça serait grâce à vous surtout. Grâce à vous, grâce à mon travail, etc. On en est encore très loin, mais en même temps, on peut être très proche à la fois. Donc, eh bien, je suis super content. Donc, ce soir, le live à ne pas manquer sur la chaîne. Et puis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien. Oh,